contre, analyser des games, Gaëtan. Alors, j'évite d'analyser les parties parce que je vais pas vous mentir, c'est assez chiant. Envie de coacher des mecs nuls, ça me saoule. Je vais partir sur bouclier Doran, comme ça avec bouclier Doran plus mon fit footwork plus mon second souple, ça va me permettre de régénérer pas mal en phase de lane. Je joue Nasus, donc mon but c'est de passer mon early game et d'avoir bah, par exemple mes bots rang 2 pour pouvoir ensuite essayer de run down le GP. Et ensuite, donc je veux par exemple des bots rang 2 et aussi ma brillance qui va pouvoir me permettre de faire des dégâts sur tout simplement supplémentaire sur le Q. Donc, bah, Nasus c'est assez faible en early. Je pense pas réellement que je vais pouvoir prendre le push. Donc, automatiquement, je vais passer en plan numéro 2. Aïe, là, j'ai fait check un GP avec ses barrels. Ouh, aïe, aïe, ça fait mal. Allez, vous savez quoi, on va directement back. J'ai Icantlish. Là, pour le coup, tu vois, j'ai plus de points de vie. J'ai Icantlish. Oh, on a fait check le GP. Oh, on a pris 250 HP. Donc, on voit que. On est assez faible en début de partie. Donc on va directement passer en plan numéro 2. Je vais pas, là pour le coup. Les gars, franchement, j'en ai un peu marre de le mentionner 150 fois par partie à toutes les games. Donc au bout d'un moment, demandez à vos collègues dans le chat ou dans les commentaires si vous regardez la rediffusion sur YouTube. Plan numéro 1, plan numéro 2. Je considère que ça doit être acquis. Je l'ai répété 150 fois. Donc je vais peut-être rater les premiers creeps. Allez, vous savez quoi, moi je vais courir dans son barrel, je m'en fous, et aïe aïe aïe, ça fait mal. Donc, on veut que la vague push vers nous, et on va essayer de garder nos points de vie, et c'est pour ça qu'on a pris le fleet footwork. Aïe 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 aïe. Donc là, admettons, on fait quelques... Donc là, on va juste essayer de tenir et d'obtenir le maximum de creeps. Hop, subtilité de Nasus. Vous avez du vol de vie avec votre passif. Votre passif, ça vous donne du vol de vie, donc c'est très important de mettre une auto-attaque avant de mettre votre Q-spell. Regardez, auto-attaque, là je mets mon A. Comme ça, je maximise mon vol de vie. Ok. Donc vraiment, notre but, ça va être d'essayer d'être de tenir cette early game qui risque d'être compliqué. Ah, j'ai pas mis mon Q-spell sur le creep. Et on voit que GP, ça poke sévère en early game. Bon, il se trouve que je peux absolument le méga punir. Mais encore une fois, c'est pas le but des parties. Hein. Le but, c'est de montrer comment essayer de carry simplement. Donc... là, je vais devoir garder mon Q pour le creep canon. Parce que c'est celui qui donne le plus de stack. Et je vais mettre 2 points dans mon A. Ok. 2 points dans mon A. Donc là, je vais pouvoir prendre son Barry. 2 points dans mon A. Comme ça, ça va me permettre de faire un peu plus de dégâts et de l'avoir un peu plus souvent. Donc là, par exemple, vous voyez, j'aurais pu faire auto-attaque A pour régénérer un peu plus. Donc vous voyez, lui, il se concentre que sur l'aggro. Mais il farme pas bien, du coup. Là, il fait que de l'aggro, de l'aggro, de l'aggro. Mais du coup, il a un très, très, très mauvais farming. Et au final, avec notre Doran Shield et notre Fleet Footwork, bah, vous pouvez voir qu'en termes de points de vie, on est bien. Hop, donc là, cette fois-ci, je vais lui mettre un petit trade avec mon A. Et je claque pas ma potion. Le plus je bats, le plus je vais régénérer avec mon bouclier de Doran. Et vous pouvez voir, il se concentre que sur l'aggro, 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 mais il assiste pas. Et là, pour le coup, vous pouvez voir, je le trade même pas. Là, je pourrais le méga trade. Bon, le but, c'est pas de finir les parties. Bon, là, quand même, le trade est gratuit, on va prendre. Et juste, vous voyez, lui, il se concentre que sur l'aggro. Moi, je me concentre sur le farm. Et au final, juste en me concentrant sur mon farming, ben là, je suis bien en creep. Je suis bien en creep, j'ai encore ma potion. Allez, moi, mon but, c'est vraiment de farmer jusqu'à ce que j'ai ma brillance. Et ensuite, avec ma brillance et mon niveau 6, je veux all-in avec le ghost. Alors, vous pouvez aussi Q-spell les barils de GP, ça va vous donner 3 stacks supplémentaires. Bon, du coup, là, j'avais pas ma buveuse pour le canon, je voulais vous montrer ça. Mais bon, du coup, j'ai raté le canon, c'était pas spécialement rentable. Et vous voyez là, et au final, lui, il se concentre que sur l'aggro, mais ses trades sont pas réfléchis. C'est un peu du n'importe quoi. Il se dit, ouais, je joue contre Nasus, trade. Ben oui, mais il fait que trade dans les vagues, dans mes sbires à moi. Ça marche juste pas. Donc là, c'est très simple. Je vais push ma vague. En plus, j'ai vu le Fiddle, il était au niveau de la bot lane. Donc là, j'ai juste push ma vague. Je vais aller chercher ma brillance. Là, je cherche même pas à comprendre. Je mets juste mes sorts dans la vague. Et je vais back.
Hop. Je m'en fous s'il freeze. Regardez. Ah bah là, il est en train de freeze. Bah ok. Je vais simplement cancel mon back maintenant. Et regardez, il a 2 points de vie. Bah oui. T'es en train de freeze, t'as pas de points de vie. Bon là, j'aurais pu le tuer. Je vais pas le tuer. Je lui ai fait perdre son flash. Très bien. J'ai obtenu son flash. C'est parfait. J'ai mon ghost. La wave à bounce. Je vais avoir ma brillance, mon ghost, etc. Ben là, il va mourir bientôt. Hop. Donc, je vais juste crash ma vague, moi. Je vais back. Je vais pas tenter mon dive ou quoi. J'ai pas envie de... ça sert à rien. J'ai déjà un play gagnant. J'ai pas besoin de forcer un... de forcer un truc stupide. Je vais prendre une brillance. Je vais prendre une épée longue. Je vais prendre ma potion rechargeable. Et maintenant, je vais revenir en lane. J'ai même pas besoin de téléporter. Donc là, lui, il est obligé de TP en plus de ça. Parce que là, la vague pêche vers moi. Donc, il est en train de perdre énormément de farm. Et là, maintenant, avec Nasus, c'est comme si lorsqu'on joue un range, un melee versus un range, on veut une long lane pour pouvoir all-in. Et là, en plus, bah, la vague est en train de revenir vers moi. C'est parfait. Il a plus de flash. J'ai la brillance. J'ai... le ghost. Et je vais tout simplement pouvoir le courir tout droit. Donc là, j'attends juste que la vague arrive vers moi. Et après, s'il a plus de barrel, bah, ça va être un tout droit. Donc là, il faut juste que j'arrive à choper ses barrels. Ok. Donc là, regardez, il n'y a plus de barrel. Allez, je vais mettre le ghost. Et là, c'est tout droit. Et avec le... fleet footwork, ça nous permet d'avoir un peu plus de vitesse de déplacement. C'est cool. Le fiddlestick est niveau 5. Moi, je suis niveau 7, mon pote. Je suis Nasus niveau 7. Hop là, ça va forcer le flash. Maintenant, je vais simplement push ma vague. Et je veux back. Donc, j'ai ma brillance. Alors, GP, vous voyez, c'est un peu comme à distance. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu comme à distance. Donc là, je vais faire mes bots rang 2. Donc là, idéalement, alors là, on pourrait se dire que je suis bas en point de vie, que je devrais back, mais j'ai ma téléportation. Donc, je vais pouvoir revenir avec ma téléportation directement. Et en plus, vous voyez, j'ai du vol de vie avec mon champion. Donc là, ça peut être intéressant. On va rester un petit peu jusqu'à ce qu'on ait les bots rang 2. Et après, on va faire un back TP. Et vous voyez, au niveau du trading, c'est simple pour moi de trade. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, GP, c'est un champion. C'est difficile, il faut être parfait mécaniquement. Hop, je vais lui mettre... un petit A avec mon fleet footwork. Et là, on voit qu'au niveau des trades... voilà, allez, j'ai peur de son barrel. J'ai pas envie de le skill check. Mais regardez, je vais même vous montrer. Je peux tanker le barrel. C'est pas grave. J'ai tellement de sustain. Et ah, j'ai pas wardé. Mince. Je vais me faire tuer par le jungler ici. Mince, ça fait chier. C'est des choses qui arrivent. J'avais une ward. Je l'ai pas mise. J'ai été inattentif. Ah, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, il faut se refocus dans la game. Nonobstant, ça arrive de faire des erreurs. C'est pas grave parce que regardez, je vais prendre mes bots. Je vais directement téléporter. Le GP, bah, il a pas de point de vie, il doit back. Et là, je vais tout simplement pouvoir push et lui, il est obligé de back. Ah, attends, là, il fait quoi le GP? Il est total. Oh. Ok, bon, il avait son orange. Ah, il a mis le barrel. Il est vraiment malin. J'ai pas pu le tout simplement le tuer. Bon, c'est pas grave. Il doit quand même back. Hop, on va pouvoir push tout ça. Et maintenant, on a nos bots rang 2. Et là, on va simplement faire un gros slow push. Comme ça, on fait notre gros slow push. On a nos A. Et on commence à vraiment... là, on commence à avoir de la CDR. Et là, vraiment, le but, c'est de stacker le plus de sbires. Là, on a passé le plus dur, ok? Là, on a vraiment passé le plus dur de la phase de lane de Nasus. Pourquoi un slow push? Parce que c'est la meilleure stratégie en bas et low, vous savez pas freeze, donc ça sert à rien de freeze. Bon. Hop. Et donc là, c'est la même idée. Ben là, j'ai pas mon fantôme. Et il a récupéré son flash. Donc là, ça va être compliqué pour moi de le tuer, à part s'il fait une grosse erreur. Mais il m'empêche pas de farmer, vous voyez. Là, je peux tranquillement scale. J'arrive à scale tranquillement. Je peux farm mes sbires. J'ai ma CDR, j'ai tout, je suis bien. J'ai juste à farmer avec mon A.
Là, regardez, la wave revient vers moi à nouveau. Je vais avoir mon fantôme. Et je vais faire la même chose. Là, je vais cancel son back. Après, c'est quand même trop pédagogique de freeze avec Nasus. Hein. Mais je vais éviter de trop le faire. Parce que, selon moi, vous savez pas freeze. Donc, c'est pas quelque chose qui est intéressant. On va peut-être juste le faire une fois et puis c'est tout. Donc je garde la vague proche de ma tour. Parce que je veux une long lane en fait. Donc je veux qu'il puisse avancer pour le farm. Je veux qu'il puisse avancer pour le farm. Et je veux une long lane. Comme ça, moi je fais fantôme. Hop, 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 hop. Et je peux commencer à mettre les Q-spells sur lui. Et puis s'il vient pas, bon bah j'ai free scaling, j'ai free farming. Là on peut voir que depuis tout à l'heure, je peux stack avec ma buveuse d'âme tranquillement. Sans être embêté. Et donc là j'ai déjà 200 stacks. Ce qui est pas mal. Alors, ils ont fait les grubs, donc ça voudrait dire que Fiddle est peut-être au niveau de la top lane. Ma bot lane vient de faire double kill. Donc là, même si j'ai envie de combattre, c'est peut-être pas judicieux. Hein ? Fiddlestick est probablement top là. Donc là, si je go in maintenant, je risque de perdre tout mon avantage. Donc je vais le laisser casser le freeze. Je continue de farmer avec mon Q-spell. Et puis bon, j'ai Nasus. Hein. Donc il n'y a pas de précipitation. On a des stacks, on est très content avec Nasus. Et regardez, hein, quand vous avancez dans la game avec Nasus, vous avez énormément de régénération. Là, vous voyez, mon passif, c'est déjà 18% de vol de vie. Donc, on voit bien, à chaque fois que je fais un auto-attaque Q-spell, je régène énormément. En plus, avec le fleet footwork. Allez, bon, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. J'aimerais bien avoir la Trinité rapidement. Il me faut encore quoi pour ma Trinité? Il me faut 500 gold. Et là, tu vois, bon, c'est une laning phase de Nasus réussie. On arrive à bien farmer, mais bon, maintenant, il va falloir réussir à snowball notre lane. Alors, comment on va pouvoir snowball notre lane? Bah, c'est très simple, il faut qu'on arrive à trouver un all-in sur le gangplank. Hein. Comme on a fait la première fois. Donc ici, il a back. Je vais simplement push la vague. Et je vais aller chercher ma trinité et je vais back également. Donc là, je push avec l'aide de mon E. Je vais chercher la trinité. Je vais même pas chercher à comprendre de si freeze ou etc. Je vais aller chercher ma trinité. Je vais même pas chercher à comprendre. Ok, donc là, lui, il a fait son back et sa téléportation. Donc je vais perdre un peu au top. Il va peut-être prendre une plaque. Là, il va peut-être me faire perdre une vague et une plaque. Mais je vais aller chercher mon Power Spike et je vais directement commencer à jouer maintenant que j'ai mon gros Power Spike. Donc là, j'ai joué Nasus. J'ai pu tenir la phase de lane tranquillement. J'ai mon Go, j'ai ma Trinité, j'ai mes bots. Bon bah là, ça y est, je vais commencer à jouer. Hein. Commencer à jouer sévère. Ah, il a pu ses barrels là, regardez. Ah là, je vais directement le Go. Hop, petite footwork, Trinité. Et là, avec la Trinité, regardez, je peux y aller comme un imbécile. J'ai trop de dégâts, j'ai trop de tankiness, j'ai trop de stacks. Il m'a pas empêché de stacker, donc forcément j'ai 300 stacks à 14 minutes. J'ai une trinité directement. Je défonce le mec en fait. Juste trop bien dans ma game. Et là maintenant avec mon démolish, plus mes buveuses d'âme, ben regardez, j'ai pas tapé la tour L une seule fois, mais là je vais pouvoir la prendre facilement. Ok, il y a le jungler au niveau du top, je cours. Et je vais même vous montrer quelque chose de marrant, c'est regarder avec tous mes stacks, je peux même le tuer assez facilement. Bon là on va pas faire. Et bon, le problème des main Nasus, c'est qu'ils sont beaucoup trop obsédés avec leur stack. Là je stack pas toute la vague non plus, ok hein. Là on est à 15 minutes, on est en milieu de jeu, il faut commencer à jouer. Hop, donc plus d'ultime sur Gangplank. Bah, c'est quand même pas assez, je peux prendre la tour. Est-ce que je vais pouvoir m'escape? Ah merde, je suis mort derrière. Bon, c'était peut-être pas malin de prendre la tourelle avec... c'était comme ça, de faire du 1 pour 1. Étant donné que maintenant, lui, il va pouvoir prendre notre tour.
on s'est dépatogé en face de lane. Maintenant, le problème, c'est que bon. Maintenant, il va falloir impacter la game. Donc, bon. J'ai mon 1 item. Dans le 1 contre 1 direct, on voit que ça se passe bien. Ok. Puis là, en deuxième objet, je vais me diriger. Allez, je vais me diriger vers un Sundered Sky. Donc, quand je regarde leur compo, je vois qu'ils ont énormément de dégâts AP, énormément de. Comment ça s'appelle? De CC. Et moi, de mon côté, j'ai pas fait des bots d'anti-CC, tu vois. J'ai fait des bots de CDR. Donc là, je sais que si je veux teamfight dans la game, il va falloir potentiellement changer les bots, en tout cas faire des mercures. Donc je vais maxer mon Z en 2 parce que ils ont énormément de kiting contre moi. Donc contre les kiting, j'ai plutôt envie de ralentir les adversaires. Ok, j'ai pas spécialement envie de faire des dégâts en plus avec mon E. Et puis là, bon, maintenant c'est simple, je suis très bien dans ma game. J'ai gagné ma phase de lane, mais sans non plus faire de la dinguerie. Et là, maintenant, je veux push, c'est très simple. Hein. Nasus, c'est tu veux un peu. Surtout là, tu vois, contre la composition en face, ça va être compliqué pour moi les teamfights. Donc j'ai plutôt envie de m'orienter sur du push. Je vois qu'ils ont énormément de CC, je vois qu'ils ont énormément de kiting. Ça veut pas dire que je vais jamais teamfight, mais je veux avoir de l'impact dans ces teamfights. Voilà, Nasus est sensible au kite. Et comme on a pu voir, sur le side lane, quand le gangplank arrive, je le défonce. Vraiment, je le défonce assez facilement. En plus, là, il a plus de points de vie. Vous pensez qu'il va se passer quoi? Lorsqu'il se pointe en lane comme ça et qu'il n'a pas de points de vie. Bah oui, directement, je punis. Et là, avec mon démolition et mes buveuses d'âme, je vais tout simplement pouvoir prendre à nouveau une tour. Et là, en plus, j'ai gratté les deux téléportations des adversaires. Et là, j'ai mon objet. Donc, on voit que sur une game où j'ai pas spécialement fait grand-chose, j'ai déjà deux objets à 17 minutes. J'ai du farming, j'ai 400 stacks. C'est tout ce que je fais. J'ai pas stomp le mec, je l'ai pas tué 400 fois. Et on voit que ça fait le café. Et on voit que forcément, lorsqu'on est bas niveau et qu'on s'amuse à jouer des gangplanks, etc. en silver et qu'on n'est pas capable de toucher des barils derrière, forcément, on est démuni contre un Nasus. Donc j'ai pris T1 top, T2 top. Il n'y a plus grand chose pour moi à faire au niveau de la top lane. Je pense que je vais m'attaquer à la bot lane maintenant. Allez, là c'est mon petit kiff perso. Je me fais un petit red buff sur le chemin. Et on n'oublie pas de finir avec le A pour pouvoir tout simplement. Avoir les stacks en plus. Ah. Flash de Fiddlestick, je sais pas si je pourrais l'aider. Mais là, mon but, c'est d'arriver à mettre de la pression en side lane, mais sans mourir. Ok, je veux pas mourir bêtement. Bon, c'est une MF niveau 13. Je suis Nasus niveau 13. Elle est niveau 9. Il faut pas se foutre de la gueule du monde. Là, ils font... Là, je suis désolé, c'est trop pédagogique, en fait, pour pas être fait. C'est beaucoup trop pédagogique. Et bon, là, je vais vous montrer Nasus quand vous êtes devant. Eh ouais, forcément. Là, je suis désolé, c'est un AD carry. Il a 4 niveaux de retard. Il court sur un top laner. Bon, là, c'est trop pédagogique. Faut le fumer. Vous voyez, directement dans la game, un Nasus devant qui a ses stacks. C'est menaçant dans la partie. Ils vont finir par me tuer. Mais on peut voir que j'ai quand même pu faire bon nombre de dégâts. Et au final, ça va être un 2 pour 3, 2 pour 4, je crois. Donc, un fight qui est à notre avantage. Ça va être un 2 pour 4 s'il le tue. Là, je suis désolé, c'est un AD carré, une mi-fortune niveau 9 qui court sur un Nasus qui est niveau 13. C'est trop pédagogique, je peux pas me permettre de pas tuer. Bon. Ici j'ai fait une erreur. Là pour le coup j'ai vraiment fait une erreur. J'étais pas concentré sur la partie. On voit que bot de CDR c'est juste pas possible, hein. Même si sur Nasus on aime bien la CDR pour pouvoir avoir plus souvent notre Q-spell, on peut voir que contre les nombreux CC qu'il y a en face, c'est tout simplement impossible. Normalement c'est pas bien de vendre ces objets parce que ça vous fait perdre un peu d'argent. Et bon là j'ai fait une erreur. On peut bien voir que sans ténacité, c'est tout simplement impossible. Donc là, j'en ai un petit peu ici, mais c'est pas assez. Là, le Baron Nashor vient de spawn. Et puis, maintenant, c'est très simple. J'ai envie de les attirer au bot. Ensuite, sans mourir, de téléporter au niveau de la top lane et faire Nashor avec mon équipe. Là, c'est vraiment très très simple. Puisque personne ne peut m'arrêter, vous avez bien pu voir. Même le gangplank sous la tour ne peut pas m'arrêter.
hop. Donc là, je vais tout simplement faire mon Z pour le ralentir. Alors, il a ses oranges qui lui permettent tout simplement de ne pas être impacté par mon ralentissement. Et puis là, vous regardez, on voit que juste Nasus devant dans sa partie, ben, les mecs peuvent rien faire. Tu vois, le Gangplank peut rien faire. Il n'y avait pas de sbire. Je suis arrivé, je l'ai tué comme ça. Ah, il peut juste rien faire. Donc il y avait Fiddlestick. Donc je vais tout simplement partir. Allez, je vais juste un petit peu attendre. Ah ok, ça défend. Bon bah là je vais... ok, je peux peut-être aider ici. Donc je vais venir. Ok, non ils sont tranquillou. Bon bah regardez. Tu spell numéro 1. Tu spell numéro 2. Tu spell numéro 3. Ah, j'ai pas pu le ralentir, dommage. Et là j'ai pris mes 2 T2. Donc là j'ai pris 4 tours. Donc... Le but de Nasus, c'est de prendre des tours. Donc là, je suis en train d'accomplir mon objectif. Ok, maintenant, il va falloir que je réussisse à prendre des tours T3. Ça risque d'être le plus dur, prendre des tours T3. Parce que, vous voyez, plus on prend des tours, plus on s'approche de la base adverse, plus les tours sont proches, plus c'est compliqué. Mais on voit que c'est toujours la même logique. Si... le Gangplank, il est tout seul, bah je peux carrément aller le chercher sous sa tour. Carrément. Et si jamais je veux teamfight, bon ils ont énormément de kiting, mais c'est pas impossible de teamfight. Ça veut juste dire que je dois être patient. Il faut que je regarde, je scrute, et qu'il y ait des cooldowns importants à utiliser. Je sais pas, un flash de... un ultimate de Fiddlestick, ce genre de choses. Donc là ils veulent faire le dragon, les adversaires. Et je vais vous montrer un truc. Allez, moi, je vais complètement ignorer. Je vais push bot. Et on va voir ce que ça mène. S'ils viennent sur nous, je pourrais toujours téléporter pour me barrer. Et s'ils commencent à venir sur moi sans faire le dragon, bah, ça va donner une situation bizarre pour eux. Regarde, là, ils commencent à avoir la Miss Fortune qui vient sur moi tout seul. Ça, et là, ils commencent à être perdus, l'équipe adverse. Ah, Miss Fortune, 4 niveaux de retard. Eh ben non, ça peut pas marcher. Et là, bah oui, je suis un red boss. Je suis Nasus niveau 15. J'ai mes stacks. Bah là, je peux clairement vous courir dessus et aller vous chercher. Hop, on va ralentir le Fiddlestick. Et vous voyez, le simple fait de les avoir ignorés et d'être parti au niveau de la bot lane, ça a créé un chaos chez eux. Et là, bah bon, non, le Fiddlestick a plus d'ultimate. Plus, je crois, hein, je suis pas sûr. Plus de flash. On en a tué deux. Ce serait bien de faire le Baron Nashor. Je vais essayer de coordonner mon équipe pour aller au Baron Nashor. Et on va bien voir si ça follow. J'ai pas l'impression que ça follow. Ok, ça follow pas. Bon bah tant pis. C'est comme ça. Des fois ça va te follow. Des fois ça va pas te follow. Je vais simplement back. Et je vais aller acheter... mon cœur gelé. Et on voit que j'en ai rien à faire de ce que fait mes coéquipiers dans ma game. Le but de Nasus, c'est de prendre des tours. Faut jouer sa propre game. Faut vraiment jouer sa propre game. Donc on voit que quand j'arrive à les dessouder, j'ai identifié que les 5v5, c'était dur contre moi. Lorsque je dessoude l'équipe adverse, c'est plus facile pour moi de jouer. Hop, je vais me faire le petit red buff. Oui, je suis pas... Le problème des main Nasus, c'est qu'ils sont... ils sont là en mode... Ah, oh, il faut que je farme chaque sbire avec ma buveuse, etc. Là, on est sur 6 en stack à 24 minutes. C'est ok, c'est pas exceptionnel. Vous voyez que je farme pas non plus tous les sbires à la buveuse. Hein. Quand il faut push, je push. Et là, regardez, c'est la même chose. Voilà, je peux les forcer à aller au bot. S'il y a personne qui va au bot, je vais les forcer à aller au bot. Tout d'abord. Et là, je vais peut-être pouvoir prendre en embuscade le Gangplank. Vous voyez qu'il est assez vulnérable. Et là, je vais simplement rester dans ce buisson et je vais attendre. C'est important, quand vous jouez ce genre de top laner qui va prendre des tours, d'être parfois patient et pas se montrer trop vite. Je vais simplement attendre et je vais voir ce que font les adversaires. Ils sont combien au bot, au mid? Donc là, pour le moment, il n'y a personne au bot. J'ai toute la vision au top. Il n'y a personne au top. Donc ça veut dire qu'ils sont probablement dans ce carré-là. J'ai une vague, ok. Là, je vois que ça engage au mid. Ça y est, je vais commencer à push. Pile au moment où le fight éclate.
Et là, regardez. Ça perturbe l'équipe adverse. Donc là, je vais directement ultimate. Et je vais faire du full push. Allez hop. Quitte à mourir, je prends l'inhibiteur. Et vous voyez comment ça fout le bordel dans l'équipe adverse. Bon là, je vais probablement mourir. Là n'est pas la question. Et là, boum, un inhibiteur. Donc certes, j'ai pris une mort. Mais j'ai pu récupérer l'inhibiteur. Donc là, je prends beaucoup de dégâts magiques. Il va me falloir de la résistance magique. Donc là, j'ai pris l'inhibiteur au bot. Donc la logique veut que je fasse la même chose au top maintenant. Maintenant, l'objectif, le prochain objectif, c'est surtout le Baron Nashor, ok? Baron Nashor qui est au niveau de la top lane. Et comme vous avez pu voir, le grand plan, je peux le tuer assez facilement. Donc rien ne m'empêche de repartir au bot et de faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, j'ai déjà pris un inhibiteur. Et donc s'il ne m'arrête pas tout de suite, ben là, je vais prendre la base. Je vais prendre les T4. Et là, pour le coup, c'est clairement une mort rentable. Et je vais leur faire du chantage comme ça à l'infini. Soit vous défendez votre base, soit vous allez fight mes coéquipiers. Et dans ce cas-là, ben moi je finis la partie. Donc là, très important, je vais garder ma téléportation. Parce que si je vais au bot et qu'à un moment donné, ben ils sont 3 sur moi, ben je fais téléportation avec mon équipe, on prend le Baron Nashor, c'est gratuit. Donc là, c'est important que je garde ma téléportation. Donc là, je vais me faire un petit bleu. Allez, c'est gratuit, on prend. Donc je mets le E. Ça permet de faire un peu plus des dégâts. Si je dis pas de bêtises. Vous voyez, mes A, ils font 800. Et quand je mets le E, ça passe à 900. Et là, la même idée. Je vais aller. Et là, je vais même essayer de communiquer avec mon équipe. Je vais dire, team, go Nashor, I push. Et là, regarde. Je suis caché. J'attends de voir ce qui se passe, je suis patient. J'attends de voir ce que les adversaires font. C'est à eux de faire le move. Ok, lui il est en train de dépush. Ah, salut. T'es mort. Et là encore une fois, je suis patient, je vais attendre de voir ce que les adversaires font. Ils ont pas envie de perdre leur base. Donc, tant que je vois personne, c'est pas dit qu'ils sont au top. Ils peuvent très bien back et aller sur moi. Ok, il n'y a pas le Fiddlestick néanmoins, donc je sais pas si on peut faire le Baron Nashor. Bah écoutez, je vais encore attendre. Je vais être patient. Là, j'attends dans ce buisson là, mais j'aurais pu attendre là ou là. C'est du pareil au même. Ah, là, c'est en train de se fight là, et donc là, je peux soit bouger au fight, soit push. Là, je pense que... ouais, c'est compliqué le fight. Donc, je vais push. Et là, en vrai, il faudrait probablement téléporter au top et prendre l'autre inhibiteur. Là, c'est probablement le meilleur play. Mais moi, je suis un peu têtu. Je vais faire mon truc de base. Là, je vais mettre le ghost et je vais directement aller chercher la karma. Plus de flash. Ça a forcé la Miss Fortune à back. Hop. Et là, je tape la tour. Avec les Q-spell. Et j'en ai rien à foutre, j'y vais comme un gros bourrin. Donc là, la même idée encore une fois. Et là, j'ai pris une tourelle et demie. Donc on voit que la même idée marche. Là, pour le coup, il y avait un milliard de plans qui fonctionnaient, qui étaient mieux. J'aurais pu venir au fight, j'aurais quadra kill, j'aurais pu TP au top, prendre un deuxième inhibiteur. Franchement, là, il y avait mille et une idées qui étaient meilleures que celle-ci. Mais moi j'ai mon plan, je m'en tiens à mon plan, j'exécute mon plan proprement. Et bah pour le moment on voit que ça passe. Pour le moment on voit que ça passe tranquillement. À la prochaine fois s'ils font pas attention, ça va être le Nexus. Faut TP un jour. Et là encore une fois on est sur un viewer qui n'écoute pas. On commence à avoir l'habitude sur Twitch, on sait que c'est des cancres, ils n'écoutent jamais. Qu'est-ce que j'ai dit sur la téléportation? Forcément sur Twitch c'est des cancres, ils n'écoutent jamais. Donc on n'est pas surpris. Mais j'ai expliqué pourquoi je garde la téléportation. Et là je vais faire la même chose encore une fois. Je vais faire la même chose encore une fois. Et je vais encore essayer de communiquer avec mon équipe. Donc je vais dire, team, go Nashor, I end the game. S'ils vont Nashor, tant mieux. S'ils vont pas Nashor, tant pis, je me démerderai tout seul.
Donc là, je vais commencer à push au niveau du bot, mais toujours en allant pas trop vite. Hein, parce que si les adversaires me tuent, là, c'est une catastrophe. Parce que s'ils me tuent, les adversaires, là, ils auront du temps pour aller Baron Nashor et blablabla et blablabla. Donc, faut pas que je meure. Donc là, j'en vois un. Là, j'en vois un deuxième. Ah, allez, ok, je vais push. Je vais commencer à push. Là, il y a plus... ils ont récupéré leur inhibiteur. Mais bon, quand même, je peux finir la partie assez rapidement si ça défend pas. Ok. Là, j'en vois qu'un mec. Et je vais attendre. Et là, je vois un mec. Ok. Je sais pas où sont les autres. Donc, ça fait trois fois qu'ils défendent pas sur moi. Là, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. 1, 2, je sais compter. 3. Ok. Donc, là, je commence à voir les mecs. Ça y est, je peux push plus loin. Et donc, il a mis noir dans ce buisson. Donc, j'ai pas envie de rester dedans. Ah, il y a un fight au niveau du mid. Je push. Et là, regardez, ils sont deux contre moi. Bon, allez. Est-ce que je les termine? Ah non, je vais pas les terminer. Bon. Et donc là, on a tué le jungler juste au baron. Hein. Donc là, je vais simplement bouger avec mon équipe sans utiliser ma téléportation, encore une fois. Et là, il n'y a pas de jungler adverse. Et là, ils vont essayer de défendre le baron Nashor. Donc là, moi, je vais me camoufler. Mon but, c'est de les tuer ici. Et là, allez, et de 1. J'ai mon fantôme qui va bientôt revenir. Hop, il est ralenti. Et de 2. Dommage, on ne pourra pas aller le chercher. J'ai un peu perdu mon fantôme. C'est pas grave, on a le baron Nashor. On va pouvoir push avec le baron Nashor. Je pense même que je peux aller prendre l'inhibiteur au niveau de la botlane. Et encore une fois, si je vois qu'ils sont 3 sur moi, je vais directement reculer. Donc là, ils défendent pas. Je prends. Et là maintenant, on va juste push les inhib. Donc ça fait E2-2. Et là en vrai, on peut probablement finir la game. Mais regarde. Juste, on va ping les coéquipiers. Et regarde. Juste plan très simple. Tout le monde connaît. Même en bas niveau, ça connaît. Ben on va jouer le troisième. Top. Et là, je vais juste écrire top. Donc même en bas niveau, ça connaît. Donc oui, mais mon équipe, elle est... C'est des conneries. Hein. Vos excuses à la noix, on voit que même en silver, ça connaît. Jouer le troisième inhibiteur. Et puis bon, voilà, Q. Alors là, je vais garder mon proc démolition. Et allez, bon. Là, je vois que ça défend pas chez les adversaires. Donc là, je vais claquer mon ultime pour avoir moi plus souvent. Allez, la vague veut pas venir. Bon. Allez, hop. Et là, avec mon ultimate, j'y vais comme un gros bourrin. Et puis bon. On n'a pas fini la game sur ça, c'est dommage. Mais on a eu les 3 inhibiteurs. La base est ouverte. Bon, bah maintenant, ça va être assez simple de finir. Donc on voit que même si j'ai 6 morts, chaque fois que je suis mort, il y a eu un réel impact là. Chaque fois que je suis mort. Donc là, j'étais en 2 morts. Je suis mort 6 fois, 4 fois de plus. Donc 4 fois de plus. Mais on voit, à chaque fois que je suis mort, j'ai pris quasiment une tourelle, tu vois. Je suis mort une fois, j'ai pris une tour. J'aimerais bien voir comment tu gères la game quand ta team perd. Alors, encore une fois, il ne faut pas être dans le déni. On joue chaque journée des parties où les équipes perdent. Donc au bout d'un moment, il faut regarder les games. Voilà, je suis vraiment... Et au bout d'un moment, il faut regarder les games comme tout le monde. Là, c'est du déni. Bon, bah maintenant, ils ont plus de structure. Donc, ça veut dire quoi? Ils vont rester dans leur base. Donc là, ils vont rester dans leur base. Donc là, il faut pas être stupide. C'est le moment où là, tous les silvers, ils y vont un par un, ils suicident en boucle, vous finissez par perdre la game. Bon, bah là, on a juste à y aller à 5. Donc, je veux dire, go as 5. Ah, connaissance d'anglais basique de CM1. Donc là, c'est très simple. On y va à 5, on court tout droit. Ils pourront pas nous arrêter les 5 en même temps. Donc là, vraiment, c'est la stratégie stupide. Juste TP et finis avec ton R. Pourquoi je vais téléporter et essayer de finir avec mon R? Je risque probablement de mourir comme un imbécile et tout seul. Pourquoi? Il y a mon Jin qui est là, il y a le reste de mon équipe qui est là, on peut y aller tous ensemble. Pourquoi je vais y aller tout seul et prendre le risque de mourir comme un imbécile? Comme mid team,
We End Together. Pourquoi? Pourquoi prendre le risque de TP et de mourir tout seul comme un imbécile, perdre mon R, perdre ma TP? Et là, en vrai, si on veut vraiment être mal... Bah là, regardez, il y a un fight qui se déclenche. Bon, bah là, tout droit. Parce que j'ai joué avec mon équipe encore une fois. Parce que j'y suis pas allé tout seul comme un imbécile. Et bon, bah là, ça va finir.